Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo concernant quoi ? Concernant la nouvelle version des Mabuntu DE3 1.03 qui va être une chouette nouvelle version parce qu'elle apporte, rien que des belles nouveautés, mais notamment une très belle nouveauté. Vous l'avez sous les yeux, regardez, j'avais dit hein, trois lettres O, E, M. Ceux qui regardent mes vidéos régulièrement savent peut-être, hein, s'ils ont retenu ce que ça veut dire OM, j'en ai parlé. Ubuntu propose ce mode OM, donc Mint, puisque Mint tire sa base d'Ubuntu, propose le mode OEM, et bien maintenant, Mabuntu propose le mode OEM. Alors vous me dites, oui, c'est bien tout mode OEM, mais c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Avant, oh là là. Pardon. On y est. Regardez comme ça travaille dur chez Mabuntu. C'est formidable de voir ça. Mais c'est stressant parce que je vous jure, on vient pas pendant 2 heures, on est largué. Ah ouais, ça bosse. Alors, je descends trop loin peut-être. Je descends trop loin, je sais plus où je dois aller. Oh là là, le boulot. Bon, je trouve la partie et puis je reviens vers vous. Voilà, je me suis calé à cet endroit. Que peut-on voir? Que les Mabuntu 2.3 1.03 sera basé sur Debian 10.6. Une nouveauté. Nouveauté, on va dire, naturelle, celle-là. Ajout du mode d'installation OM. OEM via Calamares. Ça, c'est la grosse nouveauté. Ajout de l'utilitaire Warpinator. Si vous me suivez régulièrement, vous connaissez l'utilitaire Warpinator qui provient de la distribution Linux Mint. Eh bien, Warpinator apparaît dans les Mabuntu DE3 1.03. Ajout de l'utilitaire de compression de RAM, ZRAM Tools. Si vous me suivez, vous connaissez, j'en ai parlé. Mise à jour de multisystème avec le support de Mabuntu DE4 et ajout d'un thème spécifique pour la campagne de réemploi. Vous connaissez, si vous me suivez régulièrement, j'en ai parlé. J'ai parlé du thème spécifique hein, pour la campagne de réemploi. Et bien voilà, il est intégré à la nouvelle version de multisystème. Mise à jour de HP Lib, Firefox OSR, Thunderbird, TurboPrint. Ok. Le mode OM, vous dites c'est quoi? Je vais vous le montrer concrètement c'est quoi, mais vous connaissez. Par exemple, donc c'est un mode utilisé par les intégrateurs de PC, c'est comme ça qu'on appelle, par les installateurs de PC. Windows est installé en mode OM. Windows est préinstallé. Il est préinstallé par les... ça se dit ? Intégrateur. Voilà, c'est ça. OK. Intégrateur. Voilà, OK. Donc, c'est un mode utilisé par les intégrateurs de PC. Donc, les intégrateurs de PC, si vous voulez, préinstallent le système, mais l'installation finale est laissée à l'utilisateur final. Parce que, comme le dit si bien mon ami Arnaud Arpinux de chez Bien Facile, un clone, comme on réalise des clones, c'est bien, mais un clone, ce n'est jamais qu'un miroir complet du système. Donc, on ne laisse pas de marge de manœuvre à l'utilisateur final pour, notamment, ses informations personnelles. OK ? Et bien ici, grâce au mode OEM, c'est génial, on va pouvoir faire une préinstallation du système, mais l'installation finale est laissée et bien, à l'utilisateur final. OK ? On va voir ça tout de suite en vidéo. Et alors, regardez, on va installer donc les Mabuntu DE3, 1.03. Je choisis ma langue, français. Alors, regardez ce qui apparaît dans le bas. Yeah, installé en mode OEM.
pour les intégrateurs directement. Donc voilà, le mode OM a été intégré à l'installateur, on va dire Debian ici, hein, ok, mais a été également intégré à l'installateur Calamares, Calamares qui apparaît une fois que l'on lance les Mabutu 2.3 en live. Donc on peut passer par une installation mode OM donc directement ici, ou alors regardez, essayez Mabutu sans l'installer et vous allez voir que Calamares propose ce mode OM. Alors ici je parle de l'Mabutu 2.3, ok. Maintenant vous savez que on travaille conjointement avec donc Mabutu travaille conjointement avec Defizo, donc Debian Facile. Donc le mode OM a été on va dire intégré à l'Mabutu 2.3 1.03 par Patrick. Maintenant ne soyez pas étonnés, je ne vais pas le confirmer parce que on en a parlé, ils en ont parlé, je me rappelais plus. Ne soyez pas étonnés, je pense, hein, avec des gros guillemets, je pense normalement hein, que ce mode OM devrait arriver sur Defizo, avec des guillemets, je n'en suis pas sûr, mais je pense. Voilà, les travaux s'échangent, hein. C'est ça qui est génial quant au travail à, et voilà, ensemble. Je vais poursuivre sous XFCE. Donc là, je me retrouve en live. Et voilà. Donc, je suis en clavier FR. Je veux changer. Je veux le clavier Belgique, belge. Appliqué. Je ferme. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Hein. J'active. Hein. Ok. Voilà. Validé. Oh, je vais laisser. Non, je vais faire comme je fais d'habitude. Hop. Donc regardez, nom utilisateur et Mabutu. Mot de passe. Donc nom utilisateur et Mabutu. Mot de passe utilisateur et root live. Ok. Voilà. Regardez, icône de l'installateur Calamares. Clic droit, exécuter. Voilà. Alors. Vous désirez installer Mabutu Debian Edition 3. Oui, je désire. Vous disposez de deux modes d'installation. Le mode classique, pour une utilisation personnelle, et le mode OEM, pour les intégrateurs de système. Remarque, en mode OEM, le nom utilisateur est OEM, mot de passe utilisateur et root OEM. Donc, soit vous procédez à une installation classique, ou soit vous procédez à une installation OEM. Vous pensez bien que je vais procéder à une installation en mode OEM. Alors, vous allez voir, c'est une installation, on ne peut plus, classique, normale. Donc, accélération. Voilà, installation terminée. Maintenant, ce que je vais faire, hein, je vais personnaliser l'ensemble. Ok ? Donc, toujours en vitesse VV'. On se retrouve après.
Voilà, je viens de personnaliser donc ma Ubuntu DE3 1.03 sous le mode OEM. Je ne l'ai pas dit, mais le mode OEM, en fait, c'est un compte temporaire qui est créé pour pouvoir personnaliser la distribution. Et vous allez voir que là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, en un simple clic, on va donner la main à l'utilisateur final. Donc en gros, le compte OEM qui est un compte temporaire va être détruit parce que l'utilisateur final va lui se créer un nouveau compte. Ok, alors je ne sais pas si on m'entend bien, j'ai l'impression qu'il y a un bruit de fond et c'est dû à une machine dans le bureau qui est en train de chauffer et de faire du boucan. Donc on va éteindre ça. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais si je vais chercher, comme ça vous allez voir un peu. Regardez, personnalisation déjà. NoFetch. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Ah oui, si je fais swap on. Swap on-s. Voilà. Donc, regardez, on voit que ZRAM Tools est bien installé par défaut. On peut voir que si on fait Terminator, Warpinator, il est bien installé. C'est pas moi qui les ai installés, c'est par défaut. Ok, ce sont les nouveautés. Voilà. Je vais vite. Regardez, je vais me déconnecter. Voilà comment j'ai personnalisé l'ensemble. Voilà, donc je me connecte. Ok, j'ai demandé l'affichage de l'écran de bienvenue. Alors, voilà comment j'ai personnalisé le doc. Ok, en mode complet, mais également dans tous les autres modes. D'ailleurs, si j'enlève la protection du doc, voilà. Mot de passe OEM qui est OEM. Voilà, que je demande un autre niveau simple. Il est également personnalisé. Voilà. Et même dans le mode basique. Voilà. Ok. Donc je reviens au niveau complet. Je verrouille. Le dog, vous pouvez également installer des logiciels, hein, ok, supprimer des logiciels. Donc ici je vais pas le faire. Alors regardez, finalisation, installation OEM, exécuter. On peut donner un ID. Admettons que je reconditionnerai pour mon côté professionnel, service informatique libre. Je sais pas, je peux même mettre un numéro. Je sais pas moi, 007 comme voilà. 007 comme James Bond. Alors, copier l'environnement utilisateur OEM comme référence pour l'utilisateur final. Donc c'est tout ce que j'ai personnalisé. OK. Copier la, regardez, on peut laisser ça ici. Le fait de copier uniquement l'environnement utilisateur OEM lancera le processus de post-installation lors de la création du compte de l'utilisateur final. Vous savez que quand on installe Ubuntu, il y a une série de scripts qui se lancent. Alors c'est bien, j'ai personnalisé l'ensemble, mais si les scripts se lancent et que l'utilisateur et que grâce à cela, au script, l'utilisateur final apporte des modifications, voilà, ce que moi j'aurais apporté comme modif, ça vole en éclats. Ok ? Donc si je laisse ça cocher, les scripts se lancent. Ok ? Si je coche cette case-là en plus, eh bien non, les scripts ne se lanceront pas. Ok ? Donc je finalise. On attend un tout petit peu. Vous allez voir que c'est du rapide. Donc là, en fait, c'est des... voilà, l'ordinateur est prêt en vue de son expédition. C'est tout. On fait fermer. Le système s'arrête. On remet la machine à l'utilisateur final.
L'utilisateur final démarre le système et vous allez voir ce qui se passe. Alors, c'est là que je veux en venir. Imaginez, je clone ce système-là. Mais c'est génial. Un clone OEM. Donc, oui, c'est un miroir du système que j'aurais bien voulu transmettre, mais je laisse à l'utilisateur final la possibilité d'intervenir au niveau de ses informations personnelles. Voilà. Bienvenue. Donc l'utilisateur final pourra quoi? Eh bien, pourra choisir la langue français, pourra choisir donc la région, la zone. Ben, moi, ça tombe bien. Il a gardé quand même les dernières informations introduites donc comme information de référence. Ok. Suivant. Suivant. Voilà. Quel est votre nom? Eh bien, Amaury. Quel est le nom pour la connexion Amaury? Ok, je lance comme ça. Ben là, je vais mettre, je sais pas, moi. Azerty. Voilà. Voilà. Démarrer la session sans demander de mot de passe. Oui, pourquoi pas. Allez. Suivant. Installer. Et c'est parti. On patiente, mais vraiment pas longtemps, hein. 2-3 minutes, hein. Création des locales, on va voir suppression du compte temporaire OM, création du compte de l'utilisateur final, installation, terminée. Donc, terminée. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Tout est magique chez Mabuntu, c'est bien facile, blabla Linux, tu galères, .com et tout est magique. Et c'est parti. Alors je pense que Patrick s'est basé sur une partie des travaux réalisés par le développeur de Manjaro qui lui aussi a intégré ce mode OM. Et comme Manjaro utilise Calamares. Eh bien voilà, bienvenue dans Mabutu 2.3. Regardez, ma configuration est bien conservée, celle que j'ai voulu donner. Voilà. Donc la fenêtre s'affiche au démarrage. On peut voir que ma configuration est bien conservée, hein. Le thème, le wallpaper, si je fais terminal. Voilà, on peut voir NeoFetch. Regardez ma configuration du dock. Ok. Dans, regardez, je vais le déverrouiller. Je vais faire. Doc, changer le niveau du doc, simple, voilà, doc, changer le niveau, basique, voilà, donc ma configuration est bien conservée. J'ai préinstallé le système. Comme je voulais qu'il soit pour l'utilisateur final, mais concernant toutes les informations personnelles, eh bien ça, voilà, ben, c'est l'utilisateur final qui s'occupe de ses propres infos personnelles. C'est génial, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça génial. En plus, eh bien, voilà, cette nouveauté, donc le mode OM couplé à notre clé USB de réemploi, mais c'est génial. C'est super. Il n'y a rien à dire d'autre. Allez, moi je vous dis, bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao!